Tout à l'heure, David disait, si quelqu'un me quitte, j'ai plus d'émotion, je passe en vivant. Earlier, you were saying that if someone leaves me, I don't have any emotions anymore. Moi, avant, j'avais pas d'émotion. Aujourd'hui, par contre, j'en ai. Mais c'est pas moi qui pleure. Ça pleure, mais c'est pas moi qui pleure. Before, he didn't have emotion. Now he does. But now he sees that it's not him that cries. C'est ça qu'il voulait exprimer. Did you want to express this when you said that earlier? Parce que je suis pas propriétaire de ses émotions. Because he says he's not the owner of his emotions. Yes, I think for me the first step was that I had to allow all emotions. Pour moi la première étape c'était de permettre toutes les émotions. Yeah. So I had no censorship and I had many tears. Je n'étais pas en censure, ok, et je pleurais beaucoup de larmes. Because I wasn't trying to take anything on or push anything away. I was just allowing the emotions. Parce que je n'essayais pas de récupérer quelque chose ou de repousser quelque chose. J'étais simplement en permission totale de ces émotions. And then I began to open my mind to the idea that there really were just two emotions. Puis j'ai commencé à ouvrir mon esprit à l'idée qu'il peut y avoir que deux émotions. Love and fear. L'amour et la peur. And there were different variations of these two emotions, but basically, at the core, there was just two. Et puis, même s'il y a différentes variations de ces deux émotions, dans le noyau, à la base, il y en a que deux. And so, as I allowed myself to be cleared of judgments, of beliefs, the experience of love became consistent. Et à mesure que je me suis autorisé à ne plus avoir de jugement. Judgments and you became clear of judgment and judgments and emotions, whatever. It's the best. Alors en fait, à mesure que Ian, I'm staying in the third round. We're a good team. Alors en fait, à mesure qu'il s'est laissé, qu'il s'est clarifié de tout jugement et de, je crois, de toute émotion, je ne suis pas sûr, j'ai oublié. So a good way of expressing what you're sharing is that in this state of love, everything is just seen as a blessing. Une bonne façon d'exprimer ce qui est dit, c'est que dans un état d'amour, tout devient une bénédiction. So if someone says to me goodbye, it's time for me to leave, then it's time to give them hugs and kisses and gratitude and thank them for everything. Alors s'il est l'heure pour quelqu'un de me dire au revoir, en fait pour moi c'est l'heure de les embrasser et de leur donner toute ma reconnaissance. Yeah. And there's no sense of missing or wishing that they would change their mind or do something different. Sans aucun sentiment de manquer, de manque ou d'espérer que les choses fussent différentes. Yeah. And you have a sense of full appreciation. Avec un sentiment d'appréciation complète et pleine. Yeah. And tears will come still, but they are tears of joy. Les larmes viendront, les larmes couleront quand même, mais ce seront des larmes de joie. Yes, scientists have actually researched now that the tears of pain and the tears of joy are actually different chemical compositions. Les scientifiques sont arrivés à la conclusion maintenant, après des recherches, que les larmes de la souffrance et les larmes de joie sont chimiquement différentes. Yeah. So if someone asks you, do you cry, you can say, I cry joy. Alors si quelqu'un vous demande, est-ce que tu pleures, tu peux dire, oui, je pleure la joie. But you can honestly say, I do not cry tears of pain. Mais tu peux dire de façon honnête, je ne pleure plus, je ne pleure pas des larmes de blessure. Emmanuel asks,
Are you done with the undoing of ego? Yes. Sometimes they call me an ACIM graduate. You graduate from the course. Oui, en effet. De temps en temps, on l'appelle le diplômé du CEM. And le diplômé du cours. And this is achieved with your state of mind. Ceci est réalisé, atteint, avec ton état d'esprit. Because the ego is upsetting emotions. Is upsetting? Is upsetting, or it's not like a verb, but it's just the ego is upset. Oh, l'ego en fait est énervé, il est pas bien. Yes. And peace of mind is the goal achieved. Mm. Et la paix de l'esprit, c'est le but à atteindre. So, when you have undone the ego, that is the same as saying that you have let go of all your problems. Et quand tu as défait l'ego, ça revient au même de dire que tu n'as plus de problème. Because the ego was the only problem. Parce que le seul problème, c'était l'ego. Donc on peut dire qu'il est éveillé, c'est un Bouddha. So we can say that you are awakened and that you are a Buddha. Yes, it's a happy dream. It's a very happy dream. C'est un rêve heureux, ouais. C'est un rêve très heureux. Yes. I like that, the Buddha. The Buddha right there, you know. Yes. On top of right. Yes. He looks angry. No, he looks happy. And also that this state of mind is very natural. It's our natural state of mind. Et aussi cet état d'esprit, c'est un état d'esprit tout à fait naturel. C'est notre état d'esprit naturel. Yes. Des petits points que vous avez abordés. Vous avez dit que c'est pas toujours facile pour la pratique quotidienne. Et puis l'autre exemple, je reprends l'exemple de la fleur. Vous regardez une fleur, merci. Et puis à côté, il y a une bombe qui explose, merci. Est-ce que le fait d'être de ne pas s'identifier, mettons que dans cette bombe il y a un enfant, et que cet enfant, par exemple, ce soit un enfant que vous connaissiez. Une demi-seconde, je vais. So, la première chose, c'était que c'était simple dans la vie, c'est ça? Oui, c'est ce qu'il a dit. Il y avait deux questions. Dans okay. So she had two questions. Comme j'ai pas d'exemple. The first one is about something you said. The first thing you said was that everything was simple in life. And the second question was about when you observe a flower grows, it's the same as a bomb exploding. So, in the explosion of the bomb, if the bomb explodes with children, avec des enfants à l'intérieur, c'est ça? Dans l'explosion de la bombe. Comment? And there is one child in the exploding of the bomb. That you know. Et que cet enfant, vous le connaissiez. Est-ce que le fait d'être, je ne sais pas quel peut être votre sentiment intérieur, mais est-ce que le fait d'être à distance de cette émotion permet d'avoir une action juste, par exemple, pour le sauver, admettons. Est-ce okay. que l'émotion, dans ce cas-là, devient quelque chose de perturbant pour le fait d'être vraiment dans l'instant présent, de savoir ce qu'on va faire tout de suite. Parce que la paix intérieure... Alors, she said that life was simple though, and the practical, the practicing it wasn't. She did. Oh, the first question. The life was simple, but the practice wasn't. Okay. Thank you. Merci. 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 And then the second question was about if you can be that detached. Si tu peux être détaché des émotions, de l'événement ou de l'émotion. Est-ce que ça devient plus facile pour l'action juste, c'est ça? She cannot really integrate how one can say thank you, can be grateful for the same way for a flower than for a bomb. Is it because of the detachment from the emotion that allow the perfect action to save him, for example? I don't know. Yes, the gratitude comes from a sense of wholeness and completion.
La gratitude provient d'un sentiment de plénitude et de complétude. Et de complétude, merci. Yeah. In fact, the only way to have full gratitude is to be aware of the wholeness of life. En fait, la seule façon d'avoir cette gratitude, c'est d'être conscient de la totalité de la vie, de l'entièreté de la vie. So, Shakespeare said, "All the world's a stage, and everyone must play a part." Shakespeare a dit, "Le monde entier est une pièce de théâtre, et chacun joue son rôle dans cette pièce." But when you go through this forgiveness process, mais une fois que nous pénétrons ce processus de pardon, you recognize the wholeness of mind or of awareness. Vous reconnaissez la plénitude de l'esprit ou de la conscience. And that there are no parts. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de parties séparées. When the mind is asleep, it thinks in terms of parts and whole. Quand l'esprit dort, il pense des parties à la place du tout. And we have heard that the whole is greater than the sum of the parts. Et on a entendu que on nous a dit que la totalité est plus grande que l'ensemble des parties. So, as you awaken in your consciousness, you do see that there are no parts, that everything is whole. Alors, à mesure que vous réveillez dans la conscience, vous apercevez qu'il n'y a pas de parties, que tout est un tout. On this planet alone, there seems to be many of us, billions. Sur cette planète seulement, cette planète-là, on semble être des millions, des milliards. But there is literally only one of us. Mais en réalité, littéralement, il n'y en a qu'un d'entre nous. Even science today, quantum physics is showing that everything is connected. Même la science, la physique quantique, nous montre que tout est connecté. Everything in this solar system and galaxy is connected with everything in every other galaxy. Et toute chose dans ce système solaire et dans cette galaxie est connectée à toute chose dans les autres systèmes solaires et les autres galaxies. And time and space are one illusion. Et le temps et l'espace sont une illusion. Now, when we talk about applying this in a practical way, quand nous parlons de mettre en application ceci de façon pratique, and we come down to the human level, et on en arrive au niveau humain, this is where the process must begin. C'est là que le processus doit commencer. So, in watching bombs explode, I've seen that happen many times in my life. Alors en voyant des bombes exploser, j'ai vu ça se passer plusieurs fois dans ma vie, à maintes reprises. And I definitely was not detached in my experience of that witness. Il est clair que je n'étais pas du tout détaché dans mon expérience de témoin de tout ceci quand ça s'est passé. But what I discovered was that deep in my mind was the belief in unfairness. Mais ce que j'ai découvert, c'est que, en profondeur dans mon esprit, j'avais la croyance de quelque chose d'injuste. You could call it victimization. On peut l'appeler de la victimisation. You could call it abuse. On peut l'appeler l'abus. Or you could call it attack. Ou on peut l'appeler l'attaque, par exemple. And this is a belief. Et c'est une croyance. This is what the ego is. It is the belief that attack is real. Voilà ce qu'est l'ego. C'est la croyance que l'attaque est réelle. So, in A Course in Miracles, we are given a formula for healing. Alors, dans le cours en miracles, on nous donne une formule pour guérir. It goes, I am not a body. Elle dit, je ne suis pas un corps. And my mind cannot attack. Et mon esprit ne peut pas attaquer. So, I cannot be sick. Alors, je ne peux pas être malade. And all of those things flow together. Et toutes ces choses vont ensemble, les unes dans les autres, l'une dans l'autre. Now, when I travel around the world into 23 countries, maintenant, quand je voyage dans le monde de par 23 pays, I will travel sometimes to like a third world country, a country where the conditions seem to be more extreme. Parfois, je voyagerai dans un pays du tiers monde où les conditions sont apparemment beaucoup plus extrêmes. But in
a state of mind of peace, you can be truly helpful. Et dans un esprit, dans un état d'esprit en paix, de paix, on peut être vraiment utile. So your mind brings healing to every scene that you witness. Alors en fait, ton esprit amène la guérison. Your mind brings healing to every scene. Notre esprit amène la guérison à chaque scène qui est vue, que nous voyons. And if there is an action component, et s'il y a une composante d'action, d'agissement, a behavior that flows from this peace, un comportement qui provient, qui découlera de cette paix, it flows from the peace. Il découlera, ce comportement découlera de la paix. And it is truly most helpful for everyone and everything. Et il sera vraiment tout à fait utile pour toute chose et pour chacun. So, it just took a willingness for me to question the belief in attack. Alors en fait, ça m'a demandé de la bonne volonté simplement de questionner, de remettre en question la croyance en l'attaque. Yeah. And one mind cannot attack. Et un esprit ne peut pas attaquer. It takes the belief in multiplicity. Ça demande la croyance dans la multiplicité. Yeah. I can use a practical example. Je peux utiliser un exemple pratique. In 2003, I traveled to Argentina. En 2003, j'ai voyagé en Argentine. And I was supposed to give a talk in a little cafe. J'étais supposé donner un entretien, un discours dans un petit café. In a town called Miramar. Dans un village, dans une ville qui s'appelle Miramar. But before my talk, they had a bishop that would stand up and introduce A Course in Miracles to the people. Mais juste avant son discours, ils avaient un bishop, c'est quoi, un prêtre, un évêque qui a introduit le cours en miracle. Yeah. So they had a little stage, like the stage that we're sitting on. Alors il y avait une petite estrade comme celle-ci. And the bishop got up and spoke to the people. Et l'évêque se mit à parler aux gens. And he started to share some of the ideas. Nothing happens by accident. Il commençait à partager certaines idées, comme rien n'arrive par accident. There's a greater power behind all events. It's working for the good. Il y a une puissance bien plus grande qui travaille à l'intérieur de chaque événement pour le bien de tous. And he shared that everyone was innocent. Et il a partagé aussi que tout le monde était innocent. Well, the crowd, the people started to get very, very angry. Le public, les gens commençaient à devenir vraiment très en colère. I was sitting in the back waiting to be introduced and just having my tea. J'étais assis au fond en attendant d'être présenté et je buvais mon thé. And I don't understand Spanish. Et je comprends pas l'espagnol. But I could see that there were some fists and the faces were turning red. Mais je pouvais voir qu'il y avait des points levés, que les visages devenaient rouges. The voices were getting louder and louder. Les voix devenaient de plus en plus fortes. Yeah. From the world's perception, it was turning into an angry mob. De la perspective du monde, tout cela devenait une sorte de crowd or gang, de réunion bien colérée. Yes, it was getting ugly. And finally, the bishop said, "Stop! I cannot answer these questions anymore." Et puis finalement, l'évêque a dit, "Stop! Je peux plus répondre à ces questions." But there is one person here in the back who can, please, David, come up immediately. Mais il y a une personne ici derrière qui pourra répondre à tout ça. David, viens immédiatement, s'il te plaît. Yeah. So I came up. Alors il est arrivé. And it turns out that most of the people at the cafe were school teachers. Et il se trouve que la plupart des gens à ce café étaient des enseignants d'école. And one of the female students at their school had just been raped and murdered. Et une des étudiantes à cette école venait juste d'être violée et tuée. And there were so many raw emotions flowing when the bishop said that there were no accidents and
Everything happened for good. Il y avait tellement d'émotions crues quand l'évêque a dit que il y a rien qui se passe par hasard et que tout se passe pour le bien de tous. So when I came up to begin to speak, one of the teachers said, "I have heard from A Course in Miracles that it is a required course." Alors quand j'ai commencé donc à prendre la parole, il y a un des enseignants qui m'a posé la question. J'ai lu, j'ai vu, j'ai entendu que le cours était un cours obligatoire. Yeah. So she said, "What is the meaning of this?" Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle en est la signification? And I just said that really, love is a state of mind of who we are. Love is who we are. Okay. En fait, la réalité, l'amour, c'est qui nous sommes. And this course is just a course in forgiveness. Et ce cours n'est rien d'autre qu'un cours en pardon. And the only way we can learn to remember the love that we are is to learn to forgive first. Et la seule façon de se rappeler de l'amour que nous sommes, c'est d'apprendre à pardonner en premier, d'abord. We have to release all of our false perceptions before we can see with vision. On doit relâcher toutes nos fausses perceptions avant de pouvoir voir par la vision. So I said, as a clarification, this book is not required. Alors en fait, ce que j'ai dit pour clarifier les choses, ce livre-là n'est pas obligatoire. You don't need a book to forgive. Tu n'as pas besoin d'un livre pour pardonner. It's just a tool among many tools in this world. Ce n'est qu'un outil parmi tant d'outils dans ce monde. And there are many pathways to love. Et il y a une myriade de voies vers l'amour. But to say that this is a required course is to say that you must forgive in order to remember love. Mais dire que c'est un cours obligatoire veut dire que tu dois pardonner pour arriver à l'état d'amour. Yeah. Pour revenir à l'état d'amour. With this, the woman just nodded. She went, "Claro, claro. I see." Et cette femme fait, "Claro, je vois." And then a bunch of questions came. Puis toute une série de questions sont arrivées. Questions about Adolf Hitler and Nazi Germany. Des questions à propos d'Adolf Hitler et de l'Allemagne nazie. Yes. Many, many questions about the extreme conditions in this world. Beaucoup de questions à propos des situations extrêmes de ce monde. But the more we talked, the more everyone could see that abuse and mistreatment was the core belief. Mais plus on en avançait dans les questions et les réponses, enfin dans les questions, plus on voyait que l'abus et la maltraitance était vraiment la croyance sous-jacente à tout cela. Yeah. And that there really were no small upsets and no large upsets. Et que véritablement il n'y avait pas de petites contrariétés et de grosses contrariétés. That if you're upset at all, that is covering over a state of mind of peace. C'est que si on est contrarié peu ou prou, cela ne fait que recouvrir un état d'esprit de paix. They invited me for pizza and for ice cream. Et après 3 heures avec moi, ils m'ont invité à prendre une pizza et une glace. Oh, we had a fiesta, a party. Et on a eu un bon moment, yeah. Une fête. Because everybody knows this in their heart. Parce que tout le monde sait ça dans son cœur, au plus profond de soi. That there is no good reason to be angry. Qu'il n'y a pas de bonne raison pour être en colère. D'être en colère. Yes, anger is like a killing emotion. La colère, c'est une émotion qui tue. It takes away your peace of mind, and then if you persist, the body will seem to get sick and die. Ça retire la paix d'esprit, et puis si on persiste dans cette émotion, le corps même va en venir à mourir. They're coaching you to speak in the mic. The microphone's just doing a thing of its own. Vous m'avez entendu ça? Yes.
So these gatherings are always very happy because we always come down to this experience, this core experience. Alors ces entretiens sont toujours, ces réunions sont toujours heureuses et joyeuses parce qu'on en arrive à ces expériences de base. I'm not telling anyone anything new. Je ne dis rien de nouveau à personne. It's ancient. C'est vieux, ancien.